Seigneur Jésus, j'honore ta présence. J'honore ta présence. J'apprécie ta présence. J'apprécie ta présence. Fais encore bien, précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Je te rends hommage. Je te rends hommage. Prends le dessus. Prends le dessus. Que mon humanité. Que mon humanité. Se taise. Se taise. Et que l'Esprit. Et que l'Esprit. Prenne le dessus. Prenne le dessus. Ce matin. Ce matin. Ma main est sur mon cœur. Ma main est sur mon cœur. Parce que je veux. Parce que je veux. Que tu parles. Que tu parles. D'abord. D'abord. À mon cœur. À mon cœur. Que mon cœur. Que mon cœur. Soit une terre fertile. Soit une terre fertile. Où ta sémence. Où ta sémence. Sera plantée. Sera plantée. Et produira des fruits. Et produira des fruits. Qui vont demeurer. Qui vont demeurer. Ce matin. Ce matin. Je confesse d'avance. Je confesse d'avance. Ma transformation. Ma transformation. Ma révolution. Ma révolution. Ma purification. Ma purification. Mon réveil. Mon réveil. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Satan va loin de moi. Satan va loin de moi. Distraction va loin de moi. Distraction va loin de moi. Familiarité va loin de moi. Familiarité va loin de moi. Incrédulité va loin de moi. Incrédulité va loin de moi. Dieu des alliances. Dieu des alliances. Précieux Jésus. Précieux Jésus. Donne-moi la bonne part. Donne-moi la bonne part. De ton cœur. De ton cœur. Et de ta main. Et de ta main. Que ma vie. Et ma vie. Ne soit plus la même. Ne soit plus la même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur amen qui sort de toi. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis et bon dimanche à tous. Alors que ton voisin qui a dit amen prenne cette bénédiction. Amen. Je disais soyez bénis et bon dimanche à tous. Amen. Luc chapitre 19. Luca mokapona zomina libwa. Les plus grands retards. Notre texte de base est Proverbe 13-12. Ma commune abissoa mon beaucoup. Ezali mokanda masese. Ma kapona zomi na misa. Tumulongwa zomi na mibale. Un espoir différé rend les cœurs malades. Mokande lobiete elikia oyoumeli ebeli saka motema. Et différé veut dire retardé. Omisalingi kolobete koza na simangonga. Retardé donne le sens, la notion du retard. Yangonde pesi biso mwango ya koza la bongo na simangonga. Donc le retard existe. Ngi kolobete koza na simangonga. Et là, nous sommes en train de parler sur les plus grands retards que nous n'allons pas arrêter aujourd'hui. Nous continuerons encore au mois d'août. Voilà comment tu acclames la parole. Bon, j'ai déjà commencé l'enseignement. Ceux qui attendent que je dise nota bene pour écrire, c'est leur affaire. J'ai vu que dimanche passé, plusieurs n'ont pas écrit parce que mon esprit recevait tellement de choses que des fois j'oubliais de te dire nota bene. Et puis vous n'avez pas la plupart écrit. Mais je crois que c'est écrit sur votre esprit. Mais c'est toujours important, même quand tu rentres à la maison, tu prends encore ton téléphone, tu réauditionnes le live, tu écris. Bandili kokoma lisus. Amen. Amen. Les paroles s'envolent. Maloba et maka. Les écrits restent. Kashima komi etikalaka. Amen. Amen. Il m'arrive des fois de faire un petit tour dans mes anciens enseignements. Et comme la katata azonge la makanisina ma. Les choses que j'ai prêchées aux humanités. Un moment, je me pose la question. J'ai prêché quoi aux gens? Parce que tu as des phrases presque vides. Mais ça bénissait les gens. C'était un niveau. Il faudra encore travailler pour monter. Amen. Amen. Je le crois même ce que je vous enseigne aujourd'hui. Dans 5 ans, 10 ans, je me poserai encore la même question. Parce qu'au fait, dans la vie, il faut grandir. Tu n'as pas dit amen. Donc tu arrêteras de grandir le jour où tu iras sous la terre. Alors j'étais en train de dire l'impact du ministère prophétique, c'est dans sa capacité de donner la nourriture qu'il faut au moment convenable.
J'attends, allez, je sais que tu attends Nota Bene. Je disais Nota Bene. Nabandaki koloba koma yango malam. Avant qu'on lise la parole. Yamboto tanga liloba. L'impact du ministère prophétique. Bokashi ya lotomo ali chakwa. C'est dans sa capacité. Ezali na makoki na yango. De donner la nourriture qu'il faut. Yakopesa bilei o esengeli. Au temps convenable. Mpe na ngonga o elongo bani. Je répète. Na zongeli. Même pour toi qui me suis. Atom tozala na bisona etando ike. L'impact du ministère prophétique. Makoki ton pifo ya lotomo ya lisakwa. Ne s'arrête pas juste. Esuka akate. À ce que tu sais. Na oyo yebi. Mais c'est aussi à donner un message. Kasipe ezali na makoki ya kopesa convenable. Oui, sengeli. Autant qu'il faut. Na ngonga o elongo bani. Ça veut dire. Elingi koloba. À chaque temps précis. Na ngonga nyonso elongo bani. Tout vrai ministère prophétique. Lotomo nyonso ama lamu ya lisakwa. Doit avoir un message. Et sengeli eza na lite ya kopesa. Et ce message là. Pe lite ya wana. Tu ne le copies pas chez l'autre. Ozo landango e pa moninga te. Mais c'est un message convenable. Kasi eza au point où quand on le prêche, ton esprit, ton âme, ton corps te disent, c'est ça qu'il faudrait. Qui reçoit la révélation? Amen. Allez, lisons Luc chapitre 19. Balance ta main, dit je t'aime, Saint-Esprit. Pepa lobo koloba, molimo mo santu na lingio ming. 19. Molonga zomina liboa ya mokana luka. Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. C'est à vous le verset 20. Attendez, 1, 2, 3, verset 20, à vous. Alors, 21, c'est pour moi. Et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. La suite, c'est à vous. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. La suite, c'est vous. Que Dieu bénisse ceux qui lisent. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. La suite, c'est vous. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le verset 31 est le dernier. Et Abraham lui dit, si ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir.
Le plus grand retard existe. S'il vous plaît, suivez-moi très bien. Je disais, le plus grand retard, il existe. Et cette portion des Écritures nous montre clairement que le plus grand retard existe. Et plusieurs personnes sont concernées par ce type de retard. Je l'appelle le plus grand pourquoi Julio, parce que ce retard ici, il n'y a pas possibilité de le rattraper. Ça veut dire le moment où tu te retrouves dans le plus grand retard, c'est un point de non-retour. C'est irréversible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deux personnes figurent dans ce passage. Le riche et le pauvre. Le riche qui menait une bonne vie sur la terre. Le pauvre aussi, nommé Lazare, qui avait des ulcères et qui voulait même manger à la table du roi. Qui voulait profiter des miettes qui tombent à la table du roi. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, un temps arrive, le pauvre mourut et le riche mourut aussi. Mais la différence, quand tous deux meurent, il y a un qui est enterré, c'est le riche, et il y a un autre qui est emporté par les anges pour les saints d'Abraham. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose avant qu'on décolle, qu'on aille quelque part. Vous allez vous rendre compte que dans la vie courante, généralement, les riches vivent un peu longtemps par rapport aux pauvres. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pourquoi? Ils ont des moyens, ils vivent dans des bonnes conditions, ils mangent comme ils veulent, ils mangent ce qu'ils veulent, ils mangent comme ils veulent, ils mangent comme ils pensent. Amen ou pas amen. Mais écoutez ce que Dieu m'a dit. Vivre longtemps sur la terre n'est pas synonyme d'hériter le ciel. Vivre longtemps sur la terre, 120 ans, 80 ans, 90 ans, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas une garantie qu'après ta mort, tu iras au ciel. Parce que le problème ici, oh, je sens l'onction de Dieu. Le problème ici n'est pas seulement de vivre sur la terre. D'ailleurs, la vie sur la terre, elle a une durée déterminée. Tel que nous sommes là, à un moment donné, chacun de nous est poussière et il retournera à la poussière. Mais le problème, c'est où est-ce que tu iras après ta mort? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où passeras-tu toute ton éternité? Amen ou pas amen? Amen. Remarquez s'il vous plaît, regardez. Le plus grand retard, Julio, dans la vie de l'homme riche s'éprouve par le fait que quand il meurt, il se retrouve dans les lieux de tourment. Dans ces lieux-là, il y souffre cruellement.
Et il se rend compte que quand tu es déjà dans ces lieux-là, il n'y a plus moyen d'y sortir. C'est ainsi, tout ce qu'il pouvait faire, c'était de demander à Abraham de dire à Lazare de prendre juste une goutte d'eau de son eau. Donc, en cet endroit-là, quand tu y es déjà, c'est fini. C'est trop tard. Ainsi, écoutez-moi, peuple de Dieu, c'est maintenant que tu respires, que tu es en vie, que tu peux rassurer ton éternité. Tu ne m'as pas donné amen. L'homme riche, c'est l'image des personnes qui vivent leur vie sur la terre, qui s'amusent sur la terre, qui amassent des richesses sur la terre, qui jouissent de toutes choses sur la terre, mais sans rassurer leur éternité. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Avant qu'on décolle, l'Esprit parle à quelqu'un? Le plus grand retard, écoute-moi, c'est quand sur cette terre, tu as refusé de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Après la mort, il n'y aura plus de possibilité. Je répète, le plus grand retard, c'est quand tu as vécu sur cette terre sans tenir compte de l'éternité. C'est quand tu as vécu sur cette terre rejetant Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi, retenez-le, la plus grande prière, c'est pas quand tu pries pour ton mariage. La plus grande prière, c'est quand tu ouvres ton cœur pour recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus va sauver encore ce matin. D'ailleurs, il est déjà en train de sauver même. Alléluia. Amen. Qui reçoit la révélation? Qui reçoit la révélation? Père Abraham, Tata Abraham, dis à Lazare, Lazare, j'ai besoin juste d'un peu d'eau. Allez, viron, avançons un peu. Je vous dis quelque chose avant qu'on aille quelque part. Abraham leur dit ceci. Suivez-moi. Il dit ceci. Ils ont Moïse. Suivez-moi. Église, suivez-moi. Bolanda. Vous qui me suivez, suivez-moi. Suivez-moi. Bolanda. Suivez-moi très bien. Ils ont Moïse. Bazana Mose. Ils ont le prophète. Bazapena Basakol. Qu'ils les écoutent. Bayoka Bango. Ça veut dire, en ces temps de la fin, les prophètes ont une grande responsabilité. Suis-moi. La responsabilité de prophète en ces temps de la fin, même toi qui me suis, elle ne s'arrête pas juste à aller consulter un prophète pour que tu lui poses la question: pourquoi ça ne va pas dans mon travail? Ça, c'est un niveau. Pourquoi ça ne va pas dans mon mariage? Ça, c'est un niveau. Pourquoi je ne me marie pas? Ça, c'est un niveau. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il dit: je ne veux pas. Père Abraham, je ne veux pas. Mon fils ministre Evangeliste nous a dit le mardi: la faiblesse de l'homme riche, c'était sa famille. Vous vous rappelez de ça? Il dit: je ne veux pas que ma famille vienne ici, là où il y a les tourments. Maintenant, écoutez la réponse d'Abraham. Pour que ta famille ne te rejoigne pas au lieu des tourments sur la terre, ils ont Moïse.
ils sont les prophètes. Ça veut dire Moïse et les prophètes ont un rôle à jouer pour empêcher aux gens d'aller dans les lieux de tourment. Ainsi, le travail de prophète, s'il doit s'arrêter seulement à dire j'ai vu ceci, dans ta famille il y a ceci, il y a cela, ce n'est pas mauvais, mais c'est un niveau, ce n'est pas total. Qui m'entend? Quand il insiste encore, le verset 31, Abraham lui dit, ils ont les prophètes, ils ont Moïse, qu'ils se laissent être persuadés par eux. Allez, laissez-moi faire ma folie. Ma folie dit ceci. En ce temps de la fin, le meilleur discours qu'un prophète doit avoir, c'est que le ciel existe. C'est que l'enfer existe. Je répète, le véritable prophète, en ce temps de la fin, va t'avertir. Il va t'avertir sur ton éternité. Toutes ces choses, un jour, elles passeront. Mais ton éternité, tu la passeras. Yes, okole kisayango bipai wapi. On peut voir quelque chose dans les Écritures? Tomane loko moko na makomi. Donnez-moi Luc 24. Je répète, ministre Lucien, s'il y a un message, un discours que le prophète, en ce temps de la fin, doit avoir, c'est de t'avertir que le ciel existe, l'enfer existe aussi. Après ta mort, tu iras où? Alléluia. Luc chapitre 24. Lisons. Prenons à partir du verset 25. Ça c'est après la résurrection de Jésus. Lisons ça d'abord. J'aimerais fixer quelque chose. Ministre, écoute ce que la Bible dit. Ça sont les disciples d'Emmaüs, ma fille Naomi. Ils sont là en train de quitter Jérusalem pour Emmaüs. Ils sont avec Jésus ressuscité, mais ils ne se rendent pas compte. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fait, en ce moment-ci, Jésus avait récupéré le visage de la transfiguration. Vous vous rappellerez à la transfiguration, quand il fut transfiguré, il a dit aux apôtres, gardez ça secret jusqu'après ma résurrection. C'était pour dire, ce visage que vous avez vu, c'est celui que j'aurai après la transfiguration. C'est ainsi, les disciples sont avec Jésus, mais ils ne reconnaissent pas que celui. Que Dieu transforme ta vie. Alors Jésus leur dit, oh my God, oh homme sans intelligence et dont le cœur est lent à faire quoi? Suivez-moi. Ministre Israël, Jésus dit, ils ont Moïse, ils ont les qui? Les prophètes. Suis-moi. Jésus dit ceci. Je sens tellement la gloire. Alors Jésus leur dit, oh homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit qui? Tout ce que qui ont dit? Les prophètes.
Qu'est-ce que les prophètes ont dit? C'est ça le problème. Qu'est-ce que les prophètes doivent dire? Qu'est-ce que les prédicateurs doivent prêcher? Qui empêchera aux hommes, aux femmes d'aller en enfer pour aller au ciel? Tu n'es pas prêt pour la parole ce matin. La Bible dit, reviens. Tout ce qu'on dit le prophète. 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans quoi? Dans sa gloire. Déjà pour vous qui prenez note, quand on parle de souffrance, il s'agit de la mort. Et quand on parle de la gloire, il s'agit de la résurrection. Marcelo. Voilà. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? 27. C'est formidable ce passage. Est-ce que vous comprenez ces choses? Non, vous allez comprendre. 27. La Bible dit, Papa Dieu donné. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il a dit, ils ont Moïse. Ils ont les prophètes qui les écoutent. Maintenant, qu'est-ce que Moïse disait? Qu'est-ce que le prophète disait? Ils ont Moïse. Ils ont les prophètes qui les écoutent. Maintenant Jésus leur dit. Il a commencé à leur expliquer. Allez, j'ouvre la parenthèse, je dis ceci. Si Jésus doit expliquer aux disciples ce que Moïse et les prophètes disaient, ça veut dire les disciples connaissaient ces choses mais ne les comprenaient pas. Ils connaissaient ces choses mais ils ne les comprenaient pas. Ainsi Jésus devait leur expliquer cela. Ainsi tu peux avoir cette Bible sans rien comprendre de cette Bible. Tu peux même avoir cette Bible mais tu prêches le contraire de la sainte doctrine. Si tu es là, donne-moi alléluia et puis on va avancer. Ah, donne-moi alléluia, on va avancer. J'attends les derniers alléluia, on va avancer. Reviens, que la Bible parle. Il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui les concernait. Maman, je n'ai pas entendu ça. Jésus a pris ceci. Reviens, reviens. En commençant par Moïse. Moïse, ce n'est pas seulement la loi. Moïse, c'est aussi le Pentateuque. C'est lui qui a écrit Genèse jusqu'à Deutéronome. C'est Moïse par des visions, les révélations que Dieu lui a données. En d'autres termes, Jésus les a ramenés au commencement pour leur dire des Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Vous prenez tous les prophètes jusqu'au plus grand prophète qui est Jean-Baptiste. Il dit ceci. Tout ce que les prophètes disaient là, tout, ça concernait une seule personne. C'était moi Jésus. Je pose la question. De nos jours ici, qu'est-ce que les prophètes disent? Qu'est-ce que nous prêchons? Vous êtes là? Je peux avancer, on peut continuer. Commençant par Moïse. Commençant par les Pentateuques. Il dit les Écritures. Et retiens-le. Quand Jésus parle des Écritures, il s'agit de l'Ancien Testament. Il s'agit du Nouveau Testament. Jésus voulait dire tout ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils ont révélé, tout ce que les prophètes disaient là, c'était juste une personne. Ça me concernait moi.
Ah, j'ai fait ma folie. Amen. Un vrai prophète va te montrer une personne. C'est Jésus. Il va te conduire vers une personne. C'est Jésus. Il va te ramener vers une personne. C'est Jésus. Continuons la lecture. Vous êtes là? Ministre Evariste, ça veut dire ceci. Écoutez-moi, j'ai dit plusieurs choses importantes ce matin. Ça veut dire, si réellement tu lis bien la Bible, tu trouveras Jésus partout. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas là. J'ai dit si réellement cette Bible ici, tu la lis bien, tu trouveras Jésus partout. Vrai ou faux? C'est pourquoi Genèse 1, au commencement, Jean 1, au commencement. Jésus voulait dire l'objectif des prophètes, la démarche des prophètes, c'était une personne, Jésus et son œuvre de rédemption. Bon, écoutez, si ce n'est pas bon, vous me dites et puis on passe à autre chose. C'est bon? 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Ils ont Moïse. Ils ont le prophète. 1 Pierre 1 verset 10. Donnez un peu rapidement. La Bible dit quoi? Encore les prophètes. Dis après moi les prophètes. Plus que ton voisin les prophètes. Il dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts. La grâce là c'est les saluts. Vous êtes avec moi? J'ai dit la grâce là c'est quoi? C'est les saluts. Ils ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous serez d'accord avec moi. Un vrai prophète, c'est aussi un esprit de recherche. C'est aussi un esprit d'investigation. C'est quoi? Les recherches, les investigations. Et pour faire des recherches, des investigations, il faut avoir la tête. Hein. La maladie avec l'église, c'est quoi? Vous confondez le ministère de prophète au don de la prophétie. Le don de la prophétie, ça c'est dans l'église locale. Ça c'est le don. Mais le ministère de prophète. Si vous me donnez amen, j'allais vous choquer encore. Ephésiens 4, 11, Naomi, la Bible dit, Hilaire, toi qui aimes les Écritures, la Bible dit, il a donné aux uns d'être comme. Comme apôtre, comme prophète, comme docteur, comme évangéliste, comme pasteur. Israël, quand on dit il a donné aux uns d'être comme, ça veut dire tous les ministres de Dieu qui existent, moi y compris, nous ne sommes pas les véritables. Les véritables apôtres, les véritables prophètes, les véritables évangélistes, les véritables pasteur, le véritable docteur, c'est Jésus-Christ lui-même. N'êtes pas là ce matin. Je dis c'est Jésus-Christ lui-même. Je dis le véritable apôtre, le véritable prophète, le véritable docteur, le véritable pasteur évangéliste, c'est Jésus-Christ lui-même. Donne-moi alléluia. C'est pourquoi la Bible dit il a donné aux uns comme. Dis après moi comme. Ah, plus que ton voisin, comme. Tu
ne m'encourage pas, j'allais te révéler des choses ce matin. Come on, my father. Dis encore bien comme. C'est pourquoi nous n'avons pas intérêt à être orgueilleux. Parce que Dieu nous a appelés. Parce que Dieu se sert de nous. Si je suis apôtre, je ne suis que comme. Parce que le véritable apôtre, c'est Jésus-Christ lui-même. Ainsi la Bible dit, diversité des dons, le même esprit, mais diversité des ministères, le même Seigneur. Ça veut dire, c'est lui qui donne les ministères. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus donne les ministères? Parce que c'est lui le véritable apôtre, le véritable prophète, le véritable docteur, le véritable évangéliste, le véritable pasteur. Donne-moi, alléluia! Ministre. Il faut me respecter, moi je suis pasteur. Oh, mon tosaraï, n'a pas de l'impasse. Je suis apôtre, moi. Azan Thomas. C'est pas un problème. Ezali Kamote. Tu es comme. Ozan Lokola. Révérend est comme. Ah, révérend Ozan Lokola. Je suis comme. Nazan Lokola. Mais le véritable, c'est Jésus. C'est pourquoi, de son vivant sur la terre, il a démontré son apostolat. Il a démontré son ministère de prophète. Il a démontré son ministère d'évangéliste, de pasteur, de docteur, 100%. Et maintenant, si les prophètes doivent faire convenablement leur travail, ils doivent orienter le peuple vers Jésus. Ça ne s'arrête pas juste à te dire ton nom, ton adresse, ça ne va pas dans ton mariage. Je ne suis pas contre ces choses. Moi-même, je suis dedans. Il y a des gens ici. Je les appelle pour dire voilà ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit. Mais ça ne s'arrête pas là. Qui est avec moi? Amen. Qui est avec moi? Amen. Je voulais choquer encore. Amen. Avance, mon père. Je voulais choquer encore. Amen. On peut avancer? Tokoba. Retenez-le. Bokanga boy. C'est pourquoi? Dans la tine. Toute parole vraie n'est pas forcément prophétique. J'aurais aimé être dans l'école du ministère ce matin. J'ai dit ceci. Écris-le, toute parole vraie n'est pas forcément ma gloire prophétique. Acte 16:16. Il y avait une femme possédée d'un esprit de divination. Pendant plusieurs jours, elle suivait Paul. Et en suivant Paul, elle disait, écoutez ces gens, ce sont les serviteurs de Dieu. Écoutez-les, ce sont les serviteurs de Dieu. Est-ce que ce qu'elle disait était faux? Ce qu'elle disait était vrai, mais ce n'était pas prophétique. Pourquoi ce n'était pas prophétique? Parce que la source, ce n'était pas le Saint-Esprit. La source, c'était les démons de divination. C'est pourquoi la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de l'Éternel que des hommes ont parlé. D'autres versions disent que des hommes ont prophétisé de la part de l'Éternel. Quand c'est le Saint-Esprit qui parle, alors la parole est prophétique. Mais quand ce n'est pas le Saint-Esprit, la parole peut être vraie, mais pas prophétique. L'église n'est pas prête ce matin. C'est pourquoi. Pourquoi Dieu m'est conduit comme ça ce matin? C'est pourquoi Israël, mes fils, un des dons spirituels importants que nous devons développer, rechercher, c'est pas d'abord la prophétie. C'est le discernement des esprits. Est-ce que vous m'entendez? Amen.
Est-ce que vous m'entendez? Amen. Parce que écoutez-moi, en matière prophétique, il y a trois sources. Il y a Dieu qui parle, le diable parle aussi, et même l'homme. Tu peux t'entendre. Tu penses que c'est Dieu qui te parle. Et s'il n'y a pas le discernement, tu vas confondre ta voix à la voix de Dieu. Tu vas confondre la voix du diable à la voix de Dieu. Que les aigles reçoivent la grâce ce matin en ces lieux. J'ai dit que les aigles reçoivent la grâce en ces lieux. Est-ce que vous m'avez compris? J'ai dit, toute parole vraie n'est pas forcément pro. On a écouté un prophète Mogoboy. Marie, je t'ai écrit cette phrase. On a écouté un prophète Mogoboy. En tout cas, Makamba, Sol. Il y a un commis agité. Olivier ou toi, l'envoie église. Parce qu'il y a un signe qui est. En tout cas, il y a un église. La parole peut être vraie. Mais est-ce qu'elle est prophétique? Pour qu'elle soit prophétique, la source doit être le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, elle peut être vraie, mais pas prophétique. Ce que cette femme disait n'était pas faux. Paul était serviteur de Dieu, mais ce n'était pas la vérité. Pourquoi? La source n'était pas le Saint-Esprit. Peut-être ton voisin développe le discernement. Dis-lui, développe le discernement. Non, dis-lui encore bien, développe le discernement. Le discernement des esprits. Ça, on n'aime pas. Mon homme, toi qui manges un gingé 40 jours, Zambé, fous-moi la douleur prophétique. Zambé. Gaston, Azo, Sakola. Zambé, Zambé, Zambé. Et ça m'a bêté que ça. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de prophétiser. Mais le discernement des esprits te permettra à détecter l'esprit derrière ce que tu entends. Qui reçoit la révélation? Ça va t'aider à capter l'esprit quoi? Derrière. Qu'est-ce que je disais? J'étais en train de dire, en ces temps de la fin, les prophètes que vous êtes, nous avons une responsabilité, c'est de rappeler au peuple, l'enfer existe, le ciel existe. Le jour où tu mourras, où est-ce que tu passeras ton éternité? Parce que les hommes et les femmes sont censés écouter le prophète. Amen ou pas amen? D'autres versions même disent les écrits de Moïse. Même quand tu vas dans les écrits de Moïse, Moïse a prêché qu'une personne. Il a révélé qu'une personne. Et quand il a compris, ministre Israël, que Israël ne comprenait pas que Moïse leur prêchait Jésus, un moment il leur dit, moi je vais partir, Dieu vous suscitera. Ah, donne-moi un amen, je te dis quelque chose. Parmi les raisons qui ont fait que Moïse amène à Israël le tabernacle, c'était parce que Moïse a compris. Malgré l'eau qui sort du rocher, Israël ne comprend pas toujours que c'est Jésus avec eux. Il a fallu le tabernacle. Or, le tabernacle en soi, c'est Jésus-Christ encore. Israël n'a toujours pas compris. Et si Moïse leur dit, je m'en vais, mais Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. C'est pourquoi Moïse n'est pas resté à considérer l'opprobre de l'Égypte. La Bible dit, il regardait à ce qui est invisible. Invisible. Dans l'invisible, Moïse voyait Jésus.
Où est-ce que Dieu m'amène ce matin? On peut avancer? Je dis dans l'invisible, Moïse voyait Jésus. C'est pourquoi ce jour-là, lorsqu'il voit les buissons ardents, Moïse ne fuit pas. Mais Moïse cherche à savoir, dans les buissons-là, qu'est-ce qui se passe? Dis à ton voisin Jésus. Ah, dis à ton voisin, prêchons Jésus. Dis-lui, présentons Jésus. Dis-lui, donnons les opportunités aux gens d'être sauvés. Dis-lui ça. On peut avancer? On peut avancer? Je prie que ton niveau de compréhension change à partir de ce moment. Vous écrivez ou vous avez du mal à écrire? Vous écrivez. Jean chapitre 5. 39 à 40. La Bible dit quoi? Ministre, je suis en train de répondre à la question pourquoi ils doivent écouter Moïse et qui? Ma gloire, quand tu lis Esaïe, il parle d'une personne. Jésus. Tous les prophètes. Oh, j'aime ça. Tous les prophètes. Il parle de qui? De qui? Yes. Jusqu'au plus grand prophète du Nouveau Testament. Tu le connais? C'est qui? Ezanani. Hein? Yohane le Baptiste. Plus grand prophète du Nouveau Testament. Non. Le plus grand prophète de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le plus grand prophète de l'Ancien Testament, pas du Nouveau Testament. Ça commence à t'embrouiller. Merci. Merci, papa. Merci. Comment ça commence à vous embrouiller? Merci, papa. Bon, je l'ai dit dans les langages simplifiés. Jean-Baptiste est le plus grand prophète de l'ancienne alliance, pas de la nouvelle alliance. Parce que même Jésus est né sous l'ancienne alliance. Il est né sous la loi. Mais il est devenu pour accomplir la loi. Je disais, Jean-Baptiste, c'est le plus grand prophète. Et j'allais même dire le dernier prophète. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Le grand prophète. Le dernier prophète de l'ancienne alliance. Parce que tu confonds Nouveau Testament, Ancien Testament. Tu confonds Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Que je te réponde? Oh. Expliquez-nous. Je te réponds. Tata Yadola. Maman Bijou, ah. L'Ancien Testament n'est pas l'Ancienne Alliance totalement. Le Nouveau Testament n'est pas la Nouvelle Alliance totalement. Mais dans l'Ancien Testament, à un moment donné, l'Ancienne Alliance a commencé. Et dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance a commencé. À quel moment? Quand il est mort, ressuscité, la Nouvelle Alliance a commencé.
Donc avant la mort et la résurrection, c'était encore l'ancienne alliance. Et Jean-Baptiste est le dernier et le grand prophète de l'ancienne alliance. Pourquoi il a été le grand et le dernier? Parce que Jean a pu indiquer, a pu préciser que celui dont Esaïe a prophétisé, celui dont Jérémie a parlé, celui dont Daniel a parlé. Je pensais que j'étais à Sanctuaire de Gloire ce matin. Celui dont les prophètes ont parlé, il est là maintenant. Jean chapitre 1er, le verset 29. J'ai dit Jean chapitre 1er, le verset 29. La Bible dit, alors que Jésus passait, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le verset 30, j'aime. Le verset 30, la Bible dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Ça veut dire avant même que moi Jean-Baptiste je devienne. Vous n'êtes pas là ce matin. Vous n'êtes pas là ce matin. Avant que moi Jean-Baptiste je n'arrive, lui m'avait déjà précédé. Il ajoute car il était avant moi. À quel moment Jésus était avant Jean-Baptiste? Je te réponds, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Oh, tu n'es pas là. Au commencement, avant Jean-Baptiste, il y avait la parole. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Avant Jean-Baptiste, il y avait la parole. Et cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Donne-moi alléluia. Retiens ça. La grandeur d'un homme de Dieu, c'est dans la taille de la révélation de Christ qu'il possède. Je répète, la grandeur d'un homme de Dieu, c'est dans la révélation, dans la taille de la révélation de Christ qu'il possède. Nous sommes pas en un temps où les gens ont besoin de connaître les griffes de nos vestes, nos prédicateurs. Oh, on a des iPhones. Oh, j'habite, j'ai un château à Harvard. J'en aurai, il n'y a pas de problème. Non, on n'est pas en ces temps-là. Le peuple a besoin d'une personne. Le peuple veut connaître une personne. Le peuple veut le chemin de quelqu'un. Je parle de celui qui a été avant que Jean-Baptiste ne soit. Je parle de la parole au commencement. Était la parole. Cette parole a pris chair. Elle a habité parmi les hommes. On a contemplé sa gloire. Ah, je parle de Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ. Et ce matin, Jésus veut sauver encore. Il va sauver encore. Il sauvera encore. Ma fille Naomi, ils ont Moïse. Ils ont Mose. Fazabena basakoli. Tu ne peux pas lire la Bible. Okokite kotanga mukana na za. Sans voir Jésus. Mpe ozangi komona Yesu na kati. Même dans Nahum. Atana mukana ya Nahum. Naomi. Mukanda ya Naomi. Sophonie. Cantique des cantiques. Habakkuk. Tout ça. Nyosowana. Il s'agissait d'une personne. Donne-moi Jean 5. J'ai comme l'impression que vous devez bien comprendre. Vous aimez les codes de ce matin? Je vais bien enseigner sur l'enfer les mardis, hein? C'est bien pour que toi qui n'aimes pas venir mardi au culte, c'est ton affaire. Oh, francophonie. Oh, francophonie. Non.
J'ai écouté ce bébé qui dit, oh, il y a une francophonie, Zani. Ah, ils ont la phonie, oh, yo. Franco-Atika. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, cet homme, il en aura toujours à dire. Jean chapitre 5, 39 à 40. Combien, s'il vous plaît, vous, mes fils prophètes ici, vous, mes fils prophètes, combien c'est beau, hein? Tu prêches, tu donnes les noms des gens, l'adresse des gens. Tu dis même le nombre d'argent qu'il y a dans son porte-monnaie. Et à la fin, tu dis, tout ça n'est que vanité. Qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? Papa, vous ferez une moisson d'âme inimaginée. Yes, qui comprend ces choses? Vous ferez une moisson d'âme inimaginée. Ministre, maintenant, le diable a gardé les prophètes dans une distraction. Donc, quand on a seulement donné le nom, les numéros de téléphone, l'adresse des gens, on a dit les problèmes qui dérangeaient la famille, le couple. Comme la personne est touchée, elle pleure. On s'est dit, ça suffit à sentir Ngaï. Non, alors que son cœur est ouvert par la prophétie, présente-lui Jésus maintenant. J'ai dit, présente-lui Jésus maintenant. J'ai dit, prêche-lui Jésus maintenant. Montre-lui l'œuvre de la croix maintenant. Il croira et lui et les membres de sa famille. Donne-moi alléluia. La même chose. Non seulement la prophétie, même les miracles. Les moments où les miracles commencent à s'opérer, les aveugles voient, les sourds. Papa, vous allez voir des choses dans ces ministères. Vous n'avez pas encore vu des choses. Ah, laisse-moi me les dire sur l'autel. J'ai dit, vous n'avez pas encore vu des choses dans ces ministères. Vous allez voir des choses dans ce ministère. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même quand ces choses vont arriver, c'est l'opportunité. Alors que les gens sont touchés, sont enthousiasmés, sont emportés, en ce moment-là, mais quand tu t'arrêtes qu'au miracle, aux prophéties, sans rappeler l'éternité, sans rappeler que le ciel existe, l'enfer existe, tu n'as pas fait totalement ton travail. N'oubliez pas, l'homme riche disait, si seulement quelqu'un peut parler à mes frères qui sont restés sur la terre, ils ne viendront pas ici. Donnez-moi Jean 5, je risque d'oublier pour que vous puissiez comprendre. Ils ne viendront pas ici. Comment nous sommes là des prophètes et les gens vont en enfer? Qu'est-ce qu'on prêche? Qu'est-ce qu'on prophétise? Je demande, comment nous sommes là prophètes? Mais les gens meurent, ils vont en enfer. Qu'est-ce qu'on prêche? Qu'est-ce qu'on prophétise? Même toi aussi, quand tu pars voir un prophète, tu pars le voir pourquoi? Et nous avons des chrétiens aujourd'hui. Les vrais prophètes, c'est celui qui te dit des choses que tu aimes. Même quand tu es impudique, adultère, escroc, tu viens d'avorter, tu as divisé des familles, tu es tribaliste, tu es cupide, tu as trop d'idoles dans ton cœur. Là, c'est le vrai prophète. Mais quand il commence à te dire, Tika Kindumba, arrête l'impudicité. Au lit moins. Directement tu fuis. Ok, ok, au lukamusus. Oh ya koye bisayo. Oh komata. Oh kende liboso. Oh kofuluk. Oh koko tete na liste à prophétie en gopé. Kota nan na ba liste. Combien au matérialisa? Combien? Et koki sa mabon. Combien? Boni boni abisa koli koki sa ma. Tokolat. Il y a un voisin avec Tokola. Tokola, grandissant. Il y a un peu Tokola. Grandissant. Papa, laissez, je suis dans un autre couloir ce matin. D'ailleurs, écoutez-moi, je vais vous dire ceci.
En temps réel, un vrai esprit. Tout le monde ne peut pas prophétiser sur toi. Alléluia, my father. Je reçois la grâce. Je sais que Dieu est en train de faire quelque chose ce matin. Je répète, un vrai esprit, ce n'est pas tout le monde. Ça veut dire, c'est la preuve, tu es un esprit faible. J'ai dit, tu es un esprit faible. Tu es un esprit faible. Dis après moi, esprit faible. Comment tu le refuses? Je le refuse. Ah, moi j'aime la prophétie. Je ne suis pas contre la prophétie. Suis bien ce que j'enseigne. Moi-même je prophétise sur lui. Un vrai esprit. Ce n'est pas tout le monde. Même dans l'intercession prophétique, l'homme sous Bobé Tarana Libanda. Mais na lobi nzambe bazabana bazana soif posa mabondeli bakende mewana mabeti poto oyo makanisi na bango nakobi msata moko apobo mona keza so visite de révélation mais son abimisi la machine de nako encourager binote bon, bakolo va biloko na bota. Ah, papa Benza, papa, papa. Ah, na de eh. Abi oh. Ah. Poto. Oh. Ibanda. Oh. Makanisi na yemoko. Muso ke. Ah, ça c'est Dieu. Nani oyo asakolaka alobaka likambo ya cassation azawa. Na ba prophétie botina moko apesaka li sokoli ya cassation. Hein? Azab. A été. I vraiment. C'est un souci. Mwana wana, azana eloko solo. Yes. Alléluia. Alléluia. J'aime même noko. Eloko solo. Vraiment. Je comprends pas ni babundi sakaye. Papa toko lamba ye na ndenga bi. Alléluia. Alléluia. Na lobite ke ya yo pesa ki lobo. J'ai pas dit que ce que tu avais dit était faux. Mais j'ai dit seulement un vrai esprit. Mon limonyo soit seul. Hein? On ne peut pas prophétiser sur toi. Par n'importe qui. Ça dit, écoutez-moi, ça veut dire, ton esprit pèse tellement que pour que quelqu'un se connecte à ton esprit, entre dans ton esprit et prenne les données, il faut avoir la paix. Il faudrait qu'il soit aussi un esprit. Esprit Nayo école à partir à Tongo Alelo. Esprit Nayo école à partir à Tongo Alelo. Esprit Nayo école à partir à Tongo Alelo. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Comment? Et puis des fois, Dieu, oh, on a prophétisé tout le monde, sur tout le monde, pas sur moi. Et... Et... Peut-être que toi, face à ces prophètes, ton esprit est trop supérieur. C'est pourquoi on ne peut pas te repérer. Amen, voilà, amen, voilà. C'est pourquoi on ne peut pas te repérer. Il y a un esprit, elle est qui kilo, elle est qui tellement kilo. Dans le nom de Jésus-Christ, que nos vies ne restent plus au même niveau à partir de ce matin. Qui a compris ces choses? Qui a compris ces choses? Ne sois pas prophétisable. Et puis, aussi, quand on a l'oeil, moi je suis prophétisable. Ah, je suis prophétisable, non. Prophète. Vois-moi. C'est vois-moi. La preuve que tu es un petit esprit. Grand esprit. Il faut tourner. C'est pourquoi. Tout le monde peut prophétiser. Mais tout le monde ne dira pas la vérité en prophétisant.
My prophet, avance mon père. Tout le monde peut prophétiser. Mais tout le monde ne dira pas la vérité en prophétisant. On termine par Jean 5. Jean 5. Je me rends compte que j'ai encore des choses à vous dire ce matin. Mais on va arrêter, on va continuer mardi. Par la grâce de Dieu, je vais enseigner ce mardi. Donne-moi Jean chapitre 5. Ma fille, tu as compris ça? Ce n'est pas tout le monde. Non? Il faut que je vois que ce qui m'a dit, ça colle lio. Ça veut dire que à peine esprit. D'ailleurs, on a dit la vie, c'est un rapport de quoi? De force. Bon, ça veut dire c'est une affaire des esprits, non? Et ça, beaucoup t'as l'épée à Milimo. Papa. Et ça, tu me souviens, quand il arrive, tu sens que sa présence contrôle tout. 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 Allez, j'allais bien le dire. Il y a des gens, quand il arrive, tu sens que maintenant Dieu arrive. Dieu vient d'arriver. Alors qu'avant lui, les gens criaient tomber. Mais quand il arrive, tu sens que non, Dieu maintenant vient d'arriver. Maintenant, avant, c'était quoi? Ne confondez pas le ministère de prophète et le don. Plusieurs ont le don, mais pas le ministère de prophète. Là où il y a le ministère, vous verrez. Il n'y a pas d'abord. Dieu m'a dit, j'ai vu. Non. Là où il y a le ministère, il y a d'abord l'enseignement de la parole. Parce que c'est le ministère. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est le ministère. Maintenant, quand il peut prophétiser après avoir enseigné, là c'est pour démontrer le don. Mais si tu vois quelqu'un, comprends. Ça c'est le don. Mais quand il y a l'enseignement, la parole, ensuite les dons commencent à opérer. Là c'est le ministère. Qui comprend l'école de ce soir? Qui comprend l'école de ce matin? Terminons même avec ce passage. D'autres choses, je vais enseigner mardi. C'est pour ces choses que j'ai vues. C'est pour ça que Dieu me donne le souffle de vie. Les jours où Dieu a vidé tous les bagages à moi, c'est fini, moi je dois quitter la ville. Oui, je sais que ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais c'est ça le principe. Vous n'aimez pas l'éternité. Nous voulons que Jésus revienne même maintenant. Il y a une meilleure vie qui nous attend. La Jérusalem céleste. Yes. Là-bas, il n'y a pas des inquiétudes. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de faim. Il n'y a que la louange. La louange. La louange. C'est pourquoi quand tu es choriste, si tu as la révélation, tu feras bien le travail de Dieu. Parce que là, voyez même la prédication, elle va s'arrêter un jour. C'est la Bible. Mais l'adoration, la louange, ça a commencé aussi sur la terre, ça va continuer jusqu'au ciel. Dans la Bible, tout ceci. Papa, lui, c'est Nazana. Nazana.
Amen. Amen. Jean 5, la Bible dit quoi? Je termine par là. Vous sondez les Écritures. C'est Jésus qui parle. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais Jésus ajoute, alors, ce sont elles qui rendent témoignage de qui? De moi. Hein? Vous sondez. Ancien Testament, jusque... au Nouveau Testament, vous sondez pour y trouver la vie. Alors que ces Écritures, elles rendent témoignage de qui? Aidez-moi de qui? Ça veut dire la personne centrale dans les Écritures, c'est Jésus. Ah, ton amen a commencé à diminuer. Je dis la personne centrale dans les Écritures, c'est Jésus. C'est pourquoi il dit vous sondez. Vous êtes en train de chercher à comprendre qu'est-ce que les prophètes disaient, qu'est-ce que Moïse disait. Dans tout ça, alléluia. Yes. Reviens, mon fils, je termine par là. Reviens. Ah, ce sont elles qui rendent témoignage de qui? De moi. Ça veut dire quoi, mon fils? Les Écritures. Écoute bien. Les Écritures ne donnent pas la vie. Mais les Écritures indiquent la personne qui donne la vie. Vous n'êtes pas là ce matin. Les Écritures ne donnent pas la vie, mais les Écritures, elles indiquent que tout ce que nous disons ici, c'est pour une personne, c'est pour vous révéler une personne, c'est pour vous orienter vers une personne. C'est elle qui donne la vie. Donne-moi le verset 40. Oh, j'aime l'école de ce matin. Écoute, Jésus dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Les mariages, le travail, la promotion. Il dit, vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir quoi? La vie. Les Écritures indiquent une personne. C'est pourquoi tu ne peux pas lire la Bible sans voir Jésus. Tu ne m'as pas donné amen. Tu ne m'as pas donné amen. À partir d'aujourd'hui, lis la Bible avec la pensée de Jésus-Christ. De Genèse à l'Apocalypse, partout, tu peux trouver Jésus. Les Écritures indiquent une personne. Elle ne donne pas la vie. Mais la personne, Jésus, donne la vie. C'est pourquoi la vie est une personne. Ainsi Jésus a dit, je termine, Jean 11, 25. Jésus dit, je suis la résurrection. Je suis la vie. Christelle, vous m'entendez là-bas? Vous m'entendez? Je suis la résurrection. Je suis la vie. Mais moi je pose la question à Jésus. C'était avant la croix. Tu es ressuscité quand? Parce qu'il dit je suis. Pour être, il faut avoir été. Quand est-ce que tu es mort? Tu es ressuscité. La réponse est simple. Avant la fondation du monde. Matin ici. Les billets qui soutient ma vie. Les pliés qui soutient ma précieux Jésus. Réalise Jésus,
Reviens dans ton cœur à Jésus. Lève tes mains, chante encore bien. Plus que ton voisin, que Jésus t'entend. Tu es le plié. Que Jésus t'entende. Yes, soyo kayo. Tu es le plié. Précieux Jésus, ce matin, il m'a fait envoyer pour te dire qu'il existe. Reviens à lui. Restaure ta relation avec lui. Il veut te sauver. Lève tes mains, chante encore plus que ton voisin. Ce matin, tu es le plié. Jésus, tu es le plié. Jésus donne la vie. Les Écritures ne donnent pas la vie. Les Écritures indiquent c'est lui qui donne la vie. Précieux Jésus. Ce matin, comment est ta relation avec lui? Quel est l'état de ta vie face à Jésus? Lève tes mains, chante encore la dernière fois. Tu es le plié. Oh oui, tu es le plié. Oh, 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 oh. Précieux Jésus. Jésus, précieux Jésus, gardez cette mélodie, lève tes mains, je veux que tu dises à Jésus que tu as encore besoin de lui. Si tu sais que ta vie n'est pas correcte devant Dieu, arrange. Il veut te sauver ce matin. Ta relation n'est pas bonne, arrange. Si ta relation est bonne, dis encore à Jésus, plus de lui, plus de lui. Élève ta voix, prie en deux minutes. Je n'entends pas, prie. Prie. Ce matin, je t'ai présenté Jésus. Jésus n'est pas important que quand tu as des problèmes. Jésus n'est pas important que quand tu as des combats. C'est la première prière. La restauration de la relation avec Jésus. Comment est ta relation? Si elle est bonne, gloire à Dieu. Dis à Jésus encore plus de toi. Si elle n'est pas bonne, là où il faut confesser, là où il faut demander pardon, je te donne l'opportunité. Demande pardon, il va te pardonner. Prions. Ce n'est pas le temps de murmurer. C'est une affaire individuelle. Jésus revient bientôt. Ne suis pas ta femme. Ne suis pas ton mari. Ne suis pas ton voisin. Le salut est individuel. Jésus veut sauver. Là où tu veux demander pardon, il va te pardonner. Là où tu veux arranger, il va encore arranger. Donne à Jésus la première place dans ta vie. Jésus est plus que l'argent. Il est plus que les honneurs de ce monde. Il est plus que les richesses de ce monde. Il est la vie. Arrange. Arrange, il reste 2 minutes. Arrange, il est là. Tu es le plié de ma vie. Les pliés. Tu étais allé
loin de Dieu, loin de sa parole, loin de la sanctification, loin de la vie de prière. Demande-lui pardon. Reviens à lui. Il veut marcher encore avec toi. Il est la vie. Il peut changer la qualité de tes pensées. Il peut changer ton langage. Il peut changer ta démarche. Il peut changer ton comportement. Il peut changer, il veut changer. Crois au pardon de Jésus ce matin. Mets ta main sur ton cœur, même toi qui es à genoux. Dieu aime les gens qui sont sincères. Non, mets tes deux mains comme je viens de voir en vision. Prends tes deux mains, pose-les sur ton cœur. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es ma vie. Tu es ma vie. Je ne veux pas aller loin de toi. Je ne veux pas aller loin de toi. À cause des problèmes de ce monde. À cause des problèmes de ce monde. À cause de mes combats. À cause de mes combats. À cause de mes souffrances. À cause de mes souffrances. À cause du nombre de mes ennemis. À cause du nombre de mes ennemis. À cause des réalités de ma vie. À cause des réalités de ma vie. À cause de mon chômage. À cause de mon chômage. À cause de ma pauvreté. À cause de ma pauvreté. À cause de mes défis. À cause de mes défis. Je ne veux pas aller loin de toi. Je ne veux pas aller loin de toi. Les Écritures. Les Écritures. Rendent témoignage de toi. Rendent témoignage de toi. Mais elles ne donnent pas la vie. Mais elles ne donnent pas la vie. La vie est en toi. La vie est en toi. La vie c'est toi. La vie c'est toi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Je reviens encore à toi. 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 Je réconsidère. Je réconsidère. Ma relation. Ma relation. Mon intimité. Mon intimité. Avec toi. Avec toi. Je réconsidère. Je réconsidère. Ce matin. Ce matin. Mon éternité. Mon éternité. À quoi bon? À quoi bon? Que je gagne le monde. Que je gagne le monde. Que je gagne l'argent. Que je gagne l'argent. Que j'achète des maisons. Que j'achète des maisons. Que je vive bien sur la terre. Que je vive bien sur la pour terre. Pour aller en enfer. Pour aller en enfer. Ce matin. Ce matin. Je réconsidère. Je réconsidère. Ma relation avec toi. Ma relation avec fais toi. Fais-le bien, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sois le centre de ma vie. Sois le centre. Le de fondement de ma vie. Le fondement de ma raison de vivre. Ma raison de vivre. Je te demande pardon. 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 Pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. En pensée. En pensée. En parole. En parole. En acte. En acte. Consciemment. Consciemment. Inconsciemment. Inconsciemment. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Lave-moi. Lave-moi. Par ton sang. Par ton sang. Lave-moi. Lave-moi. Par ton sang. Par ton sang. Je refuse. Je refuse. D'aller en enfer. D'aller en enfer. Après ma mort. Après ma mort. Je refuse. Je refuse. D'aller en enfer. D'aller en enfer. Après ma mort. Après ma mort. Je refuse. Je refuse. D'hypothéquer mon âme. Hypothéquer mon âme. Pour les biens de ce monde. Pour les biens de ce monde. Les plaisirs de ce monde. Le plaisir de les richesses de ce monde. Les richesses de ce monde. Je vais vivre. Je vais vivre. Pour Jésus. Pour Jésus. Abandonner tout. Abandonner tout. Pour Jésus. Pour Jésus. Plaire en toutes choses. Plaire en toutes choses. À Jésus-Christ. À Jésus-Christ. À Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Relève-moi. Relève-moi. Que ma relation. Que ma relation. Soit restaurée. Soit restaurée. Avec toi. Avec toi. Mon amour pour toi, pour toi, pour ta présence, pour ta présence, pour la prière, pour la prière, pour l'église, pour l'église, pour les cultes, pour les cultes, pour les services de Dieu, pour le service de soit restauré, soit restauré en toutes choses, en toutes choses. Je veux Jésus, je veux Jésus, je veux Jésus, je veux Jésus. Troisième fois, je veux Jésus. Quatrième fois, je veux Jésus. Cinquième fois, je veux Jésus. Sixième fois, je veux Jésus. La dernière fois, je veux Jésus. Yes, Lord, to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back.
déclare vraiment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'avance. J'avance. Avec Jésus. Avec Jésus. J'avance. J'avance. Dans ma marche. Dans ma marche. Avec Jésus. Avec Jésus. Les soucis de ce monde. Les soucis de ce monde. Les inquiétudes de ce monde. Les inquiétudes. Les souffrances de ce monde. Les souffrances de ce monde. Ne vont plus perturber. Ne vont plus perturber. Ma marche avec Jésus. Ma marche avec Jésus. Amen. Yes. Fais la dernière prière. Lève tes mains vers le ciel. Très bien vers le ciel. Très bien vers le ciel. Très bien vers le ciel. Déclare après moi ma destination finale. Ma destination finale. C'est le ciel. C'est le ciel. Deuxième fois. Ma destination finale. Come on. C'est le ciel. La dernière fois. Ma destination finale. Come on. C'est le ciel. Encore. Ma destination finale. Yes. C'est le ciel. La dernière fois. Ma destination finale. Alléluia. C'est le ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peta maboko makasi pona nzambe. Jésus. Écoute, Yoka. On ferme les yeux. Tanga musonayo. Je vais compter de 1 jusqu'à 10. Tanga mokoti na mutuba. Reste debout que personne ne soit assis. Mokote afanda biso nyosto za ko telema. Jésus sauve ce matin. Yesu zupikisa na tongo. Et il veut encore sauver. Pe alinga bikisi. Tu es en ces lieux. Ozana wa esika. Tu n'as jamais fait la prière la plus importante. Na noté osala libonde lia motuya. C'est quoi cette prière? Libonde lia ngosani ya motuya. Ce n'est pas Dieu guéris moi. Ezaka te kolo bikisa ngai. Ce n'est pas Dieu donne-moi le mariage. Ezaka te kolo pesa ngai libala. C'est Seigneur. Ezali kolo. J'ouvre mon cœur. Na funguli motema nanga. Je te reçois. Na yambi yo. Comme Seigneur. Lokola moko et sauveur. Ce matin, Jésus veut te sauver. Tu n'as jamais fait cette prière. Peut-être que tu pars à l'église. Tu connais même peut-être beaucoup d'hommes de Dieu. Tu dors même avec des enseignements sur YouTube, Facebook. Mais tu n'as jamais fait cette prière. Tu es convaincu que si Jésus revient maintenant, tu n'iras pas au ciel. Tu iras en enfer. Frères, sœurs, les jours de l'homme sur la terre, il n'y a que Dieu qui en a les derniers mots. Après ta mort, ça sera difficile, impossible de réparer pour aller au ciel. Nos yeux sont fermés. Ce matin, Jésus veut te sauver. Tu es là, pose ta main sur ton cœur. Tu es là. Mets ta main sur ton cœur. Ce n'est pas une affaire de 18 ans. De 40 ans. De 40 ans. Non. Si tu n'as jamais fait cette prière pour dire non au monde et recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est aujourd'hui. Nos yeux sont fermés. Je vais compter de 1 jusqu'à 10. Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. Quand tu prends cette décision, tu dois aller vers Jésus. Merci Jésus pour toutes les mains que j'ai vues. Merci Seigneur pour toutes les mains que j'ai vues. Amen. Je vais compter de 1 jusqu'à 10. Toi qui as posé ta main sur ton cœur, comme toi qui hésites encore, alors que c'est le jour de ton salut, je compte de 1 jusqu'à 10. Alléluia. Tu vas venir ici à l'hôtel. Tu vas t'approcher ici. S'il vous plaît, après 10, ça sera fini. Je ne cesserai de le dire. En matière de salut, sois violent. Je vais compter jusqu'à 10. Toi qui as ta main sur ton cœur et qui veux faire cette prière, tu viens ici devant. Je compte 1. J'ai mes yeux fermés. 2. Protocole, vous pouvez même aider ces gens à trouver les chemins. 3. 4. 5. 6. Quand je suis à 10, c'est fini. Jésus, yes, veut vous sauver. Alinga bikisa yo.
Jésus. Jésus veut vous sauver. Alinga biki sabino. Jésus. Jésus veut vous sauver. Alinga biki sabino. Jésus. Jésus veut vous sauver. Alinga biki sabino. 8. 9. No turning back. Gardez la main sur les cœurs. Ma deuxième prière, c'est pour toute personne qui sait. Les gens savent que tu es chrétien, mais tu sais que ta conduite n'est pas digne d'un enfant. Si on expose ce que tu fais en coulisses, si on montre ce que tu fais en coulisses, on ne croira pas que tu es un enfant. Viens rapidement. Jésus veut te relever. Une. Encore. Deux. Quand c'est 10, je vais clôturer. 3. 4. Il veut te sortir de cette faiblesse. 4. Ma gloire vient. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Moi, j'ai demandé à Dieu de me donner de gagner des millions et des milliards d'âmes. Amen. Amen. Yes. Je lui ai dit, donne-moi des millions et des milliards d'âmes à gagner à toi. Merci Jésus. 10, je clôture par là. Église, lève-nous. Partout dans la salle, lève-nous. Et si quand nous sommes allés tellement. Comme je ne cesse de le dire, vous savez, oui. Des fois ce sont les gens qui restent là assis, qui sont des fois les plus concernés. Mais il s'est dit, qu'est-ce que les connaissances vont dire? Yes. Vous qui êtes ici devant, regardez-moi. Vous voyez la décision que vous avez prise aujourd'hui. C'est la meilleure décision. Yes. Ouais. C'est pourquoi on n'a jamais cité le nom de l'homme riche. Parce que lui était en enfer. Jésus dit ceci. Église, suivez-moi. Église, suivez-moi. Ce qui s'est fait ici, c'est fait pour vous. Demain, vous irez gagner des âmes. Suivez-moi. Jésus dit, réjouissez-vous de ce que vos noms soit écrit dans les livres de vie. Cette vie est trop courte. Oui. C'est trop courte. Même si tu dis, moi je vais rester sur la terre. Je vais rester 150 ans comme mon grand-père. Mais il y aura seulement un jour. Tu vas partir. Que tu veux ou pas, tu vas partir. C'est trop courte cette vie. Mais la vie qui nous attend à l'autre bord. Yes, amen. Que papa va prêcher le mardi. Amen ou pas amen. Amen. Je vais vraiment enseigner des choses importantes. Vraiment importantes. Ne me donne pas la raison. Oh non, la francophonie. Oh, embouteillage. Non. Fais les sacrifices pour Dieu. Yes, ça la sacrifice. On a pour Nzambe. Et s'il y aura possibilité que vous posiez des questions, je vous permettrai. Amen. Amen. Je vous enseignerai c'est quoi l'enfer. Qu'est-ce qui se passe les anini. Qui en parle, je vais vous enseigner beaucoup de choses. Mettez la main sur le cœur. Église, dans la salle, nous allons répéter ces prières pour les encourager et les accompagner. Ouvrez vos cœurs. Un jour j'ai fait cette prière comme ça. Ma vie n'est plus restée la même. La vie est une personne. C'est Jésus. Quand il entre en vous, la vie commence. Fermez vos yeux. Déclare après moi.
Bino bozali bosoawa. Prière oza mutu ya makasi pona bino. Amen. Cette prière très capitale pour vous. Yes, ce n'est pas une blague. Mettez vos mains sur les cœurs. Déclarez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je suis pécheur. Je suis pécheur. Je vivais loin de toi. Je vivais loin de toi. En lingala. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Je viens à toi. J'ouvre mon cœur. Je prends la décision personnelle de te recevoir comme mon seul sauveur, mon seul Seigneur. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, sauve ma vie. J'ai dit non au diable. J'ai dit non à la mondanité. J'ai dit non au péché. Je veux marcher avec toi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Pardonne-moi. Purifie-moi. Inscris mon nom dans les livres de vie. Je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas rater le ciel. Je suis enfant de Dieu. Merci de me sauver. Je reçois ton salut. Je reçois ton pardon. Saint-Esprit, remplis-moi. Conduis-moi. Au nom de Jésus. Laissez-moi prier pour vous. Père Dieu Tout-Puissant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ça ta mission. Christ, tu es venu pour sauver du péché. Tu es venu pour que plusieurs n'aillent pas en enfer, mais qu'ils aillent au ciel. Ils ont entendu ta voix. Ils n'ont pas été forcés. Ils sont venus. Ils ont ouvert leur cœur. C'est lui qui a le Fils de Dieu à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Donne-leur ta vie maintenant. Sauve-le. Exauce à leur prière. Pardonne à leurs péchés. Établis ton règne dans leur cœur. Que ça ne soit plus eux qui vivent, mais que ça soit toi qui vis. Saint-Esprit, remplis-le. Change-le. Marche avec eux. Soutiens-les dans la vie de sanctification, dans la vie de prière. Soutiens-les dans l'attachement à l'église, au culte. De mains qui deviennent des serviteurs de Dieu dans l'église, que par eux aussi tu sauves plusieurs. Merci d'écrire leurs noms dans les livres de vie. Merci d'inscrire leurs noms dans les livres de vie. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de l'agneau. Par le sang qui pardonne. Par le sang qui purifie. Par le sang qui sauve. Par le sang de Jésus. Merci d'inscrire leurs noms dans les livres de vie. Marche avec eux. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, merci Seigneur Jésus. Car tu m'as sauvé. Tu m'as pardonné. Tu m'as donné une nouveauté de vie. Amen. Amen. Regarde-moi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur dans la salle. Wow. Écoutez-moi. J'aimerais vous dire ceci. Regardez-moi droit dans les yeux. C'est une vérité importante. Que je... Après cette prière, vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous êtes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Le corps est le même. Mais vous sentirez que quelque chose a changé en vous. Attachez-vous à Jésus. Attachez-vous à l'église. Attachez-vous à la prière. Faites de cette église la vôtre. Vous allez grandir dans la parole. Dans la prière. Demain, il y a des futurs ministres. Yes. Il y a des futurs pasteurs. Yes. Il y a des grands hommes et des grandes femmes parmi vous.
Mais ce qui est plus important, si Jésus revient maintenant, et moi et vous, Lola. Yes. Allez. Bokende. Ne péchez plus. Que Dieu vous fasse grâce. Église, on peut acclamer pour eux.